Le projet de construction du monument Paul Biya et des équipements connexes à Saint-Mélima est suivi de près par le comité de supervision des travaux sur les trois sites dédiés au monument. Ce comité, placé sous la présidence du ministre directeur du cabinet civil, Samuel Vondayolo, a défini les priorités, réuni les contributions et bouclé les financements nécessaires au délai d'exécution des travaux de 6 mois. Le monument sera construit au lieu dit Mefort, entrée principale et incontournable de la ville de Saint-Mélima. Cet endroit optimise la visibilité, l'exploitation et la promotion du monument. C'est le point de convergence des acteurs routiers en provenance de Mbamayo et Yaoundé d'une part, et venant de Mengong et Boloba d'autre part. C'est enfin le point de départ de la pénétrance nord qui traverse la ville de Saint-Mélima avec l'avenue et le boulevard Paul Biya qui aboutit à la place Paul Biya au carrefour Abébé-Congo à la sortie sud de la capitale du Djelo. À ce titre, le carrefour Mofo est le lieu emblématique d'accueil et de revoir des délégations officielles et des autres de marque de la cité de Saint-Mélima. Ensuite, les portiques du boulevard Paul Biya, placé au milieu de l'avenue qui part du carrefour Mofo au carrefour Abébé-Congo. Le boulevard éponyme part de la place de l'Angol à la place de la préfecture avec des haies métalliques permettant des affichages. Enfin, la place Paul Biya à Abébé-Congo, au cœur de la sortie de sud de Saint-Mélima. Le carrefour Abébé-Congo s'ouvre aux destinations des arrondissements de Djelo Profond, Meyoumessala, Meyoumessi, Djoum, Mintoum et Auvin, et vers les frontières du Congo et du Gabon. En projet, c'est un espace de loisirs, un parc d'attractions proposant écrans géants, manèges, toboggans, etc. Ce qui s'est fait à travers la visite de terrain du ministre de la Décentralisation et du Développement local, accompagné du directeur général du FECOM, et du maître d'ouvrage, c'est porter le maximum d'informations aux parties contractantes pour un meilleur avancement du chantier. Le projet du monument Paul Biya et des équipements connexes est un projet qui démarre depuis le mois de janvier à travers les intentions, l'initiative du maire de la commune de Saint-Mélima, soutenue par des élites et adoubée par ce que nous appelons jusqu'à aujourd'hui le président du comité d'organisation qui est le DCC, qui a dû prendre les tout premiers éléments de la création pour présenter à qui de droit. Je veux nommer le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui pour valider ce ouvrage, on a dû nous demander s'il n'y avait pas encore un monument réalisé comme celui-là dans le monde. Et c'est après ces enquêtes où il n'y a pas eu le même quelque part que nous avons eu l'heureuse nouvelle de savoir que notre monument a été validé. Alors il ne s'agit pas seulement du monument. Quand on arrive au niveau du boulevard Paul Biya à Saint-Mélima, vous savez, c'est une place qui a été dédiée au président de la République par la commune de Saint-Mélima. Donc ça s'appelle boulevard Paul Biya avec des aménagements qui vont accompagner. Dans ces aménagements, vous avez des haies dont le design commence à s'apercevoir, des haies métalliques qui protégeront désormais toute personne qui s'installerait dans les jardins à cet endroit. L'équipement qui va marquer la vie de Saint-Mélima elle-même, maintenant en dehors de la place du monument, c'est la porte monumentale qui fait un bâtiment pratiquement, mais il est fait en acier tridimensionnel et il aura à l'intérieur des espaces pour donner la possibilité aux citoyens vivant dans cette ville d'avoir une place de transition entre la zone commerciale et le plateau administratif. Donc lui, il est implanté, vous avez dû voir dans les images, juste à l'entrée de la préfecture de Saint-Mélima. Sans oublier qu'un restaurant est programmé au niveau de ce qu'on appelle justement dans le boulevard Paul Biya, la place du cercle municipal. Ce restaurant permettra à ceux qui auront déjà visité et regardé les jardins, admirer les jardins, de se restaurer d'une manière libre. Contrairement à ce qui avait été arrêté le 13 février dernier, jour anniversaire du président Paul Biya, le monument sera désormais érigé au lieu dit Mefort pour plus de visibilité.
je serai appelé ici à vous dire que la place qui était supposée accueillir le monument au début, c'est-à-dire la place d'Avebe Yekombo, n'est pas négligée parce que c'est la fin du boulevard. Il est donc programmé là-bas ce que, qui a été validé, c'est le centre des loisirs Paul Biya. Donc vous voyez que depuis ce carrefour de Mefo jusqu'à Avebe Yekombo, le carrefour d'Avebe Yekombo, vous traverserez donc désormais des équipements urbains accompagnés de quelques investissements qui relèveront donc et moderniseront la ville de San Melima, dont vous connaissez le symbole. Pour l'élite locale, c'est un geste de reconnaissance à l'endroit du président de la République. Un geste porteur d'un effet d'entraînement. Je pense que ce projet a un impact multifaceau. D'abord, sur le plan historique, je crois que c'est la première réalisation qui va pérenniser, qui va faire rentrer dans l'histoire cet illustre personnage qu'est notre chef d'État, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, dignitaire fils de ce département. La plus-value de tout cela, c'est d'abord que nous exprimerons effectivement un sentiment de gratitude et de reconnaissance vis-à-vis du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui, au-delà de sa fonction suprême, qu'il est chef de l'État, il est quand même fils de ce département. Donc c'est déjà là une première plus-value. La deuxième chose qui peut relever substantiellement la valeur de cet édifice, c'est qu'elle va sensiblement améliorer le cadre de vie de notre ville avec des ouvrages annexes, des ouvrages d'un tel niveau de sérieux vont permettre à ce que la ville de San Melima soit relevée et soit désormais une destination touristique emblématique dans le pays. Déjà dans ce village, les gens parlent de l'émergence à ce jour. Le monument dédié au chef de l'État est un cadeau que les populations de San Melima ont voulu offrir à son chef, à leur père et nous autres qui sommes natifs de Mefo. Nous ne pouvons qu'être très contents d'accueillir cette stèle. Ce que nous pouvons promettre pour nous, les habitants de ce village, c'est de garder ce patrimoine, d'être les premiers gardiens de ce patrimoine. Parce que, vous voyez, figurez-vous, le monument a été déplacé du carrefour à Vebe pour le carrefour Mefo. C'est une marque d'estime pour nous. D'aucuns diraient même dans l'au-delà que les essais ont fait un coup au Yekombo. Tous ces édifices et tout ce qui va être réalisé devra entrer dans le patrimoine de la commune. Et pour cela, nous sommes très contents de voir ce projet se réaliser dans notre ville. Il ne fera que renforcer les infrastructures déjà mises en place, continuer à embellir notre belle cité, qui déjà, vous savez, s'appelle San Melima la Belle. Et pour redorer donc le blason de San Melima, ces infrastructures ne feront qu'ajouter à cet embellissement. Et pour le projet en lui-même, il a ce grand intérêt qu'il vient apporter plus de salut, plus de reconnaissance à l'homme du renouveau qui est le président Paul Biya. Qui, 47 ans après, voit le monument réalisé en sa faveur pour toutes les réalisations, tout ce qu'il a apporté de bien au renouveau, aux grandes réalisations que nous verrons naître dans la cité. Voilà, donc ce monument est salutaire. Il est salutaire et il sera pour toutes les populations de San Melima ce joyeux que nous verrons jaillir de sol très bientôt. Et le dernier point, en fait, ce monument sera la boussole du Cameroun. La boussole du Cameroun, pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y aura un problème, il n'y aura qu'à venir à ce monument pour voir l'œuvre. Pour que le Cameroun à jamais, à travers cette coupole, cette forme qu'on nous a expliquée, qui couvre et le haut qui est comme une gamme de parabole qui va justement capter tout.
tout ce qui est positif pour le Cameroun. Donc, ce sera une boussole pour l'avenir du Cameroun. L'engouement est perceptible. Il est à la dimension des ambitions affichées. Ce qu'il faudrait retenir en réalité, c'est que les populations de la ville de Saint-Mélima et le maire en tête ont décidé de consacrer un certain nombre d'ouvrages à la célébration de Monsieur le Président de la République. Il y a un monument qui est en cours de démarrage à l'entrée de la ville. Il y a un boulevard qui a été pensé et puis il y a un portail digne de sa dimension qui est envisagé. Les visites que j'ai effectuées sur le terrain physiquement, les discussions que j'ai eues sur le terrain avec Monsieur le maire, les équipes chargées de la construction de ces ouvrages et l'autorité administrative, et la longue séance de travail que nous venons de tenir m'ont rassuré de ce que le dossier a été bien pris en main, que le dossier est bien tenu et qu'il est bien conduit. Des engagements ont été pris de part et d'autre de garantir un lien contractuel fort entre l'État et l'entreprise qui est chargée de fournir ces prestations. Des garanties ont été données que le financement est disponible et un accord a été trouvé de ce que les prestations devront avoir été achevées avant l'échéance qui a été indiquée aux entreprises, à savoir le 6 novembre, date anniversaire de l'accession de M. le Président de la République au pouvoir. Donc, c'est un ministre en charge des questions de décentralisation qui rentre de Saint-Mélima satisfait. Vous me permettrez aussi de dire que c'est un enfant du pays qui est content de ce que les populations de Saint-Mélima mettent en place pour célébrer M. le Président de la République. Le 6 novembre 2021 est une échéance capitale pour le monument Paul Biya et les équipements annexes. À cette date, les prestations devraient avoir été achevées. C'est un délai de rigueur.